J'ai clairement indiqué que nous ne tolérerions pas l'ingérence en 2018 et nous étions prêts à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que cela se produise. Nous en avons parlé de différentes manières dans le domaine des échanges informatiques et des technologies de l'information que nous avions arrêtées entre les États-Unis et la Russie plus tôt cette année. Et j'ai dit à ce stade que je ne voyais pas vraiment les circonstances pour reprendre leurs activités. La rencontre de John Bolton avec Nikolaï Petrouchev a duré plus de 5 heures. Il a déclaré aux journalistes avoir discuté du contrôle d'armement, de la Syrie et du rétablissement des échanges bilatéraux. Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions économiques à la Russie pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine de 2016, mais Moscou nie ces allégations. Le conseiller Bolton a déclaré que les divergences sur l'intervention présumée avaient empêché les deux parties de publier une déclaration finale commune après le sommet de juillet entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine à Helsinki.